Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Au centre-ville, en fait, tout le film vraiment se passe à Saint-Hyacinthe, donc il n'y a pas vraiment de doute. On a utilisé deux appartements, c'est-à-dire qu'ils doivent être des appartements de Montréal, mais on les tourne à Saint-Hyacinthe. Toute l'équipe, tout le monde est à Saint-Hyacinthe, donc tout se passe à Saint-Hyacinthe. Et en fait, Saint-Hyacinthe est un véritable personnage du film, en fait. Il est au même titre que mes autres comédiens. La ville, on la voit de tous les bords, tous les angles. Mon personnage principal n'est pas quelqu'un qui peut se déplacer facilement, donc ça se joue autour du Terminus, dans ces eaux-là, Calixa-la-Vallée, etc. Marché, évidemment, on ne peut pas manquer le marché, cascade. Si je n'avais pas pu tourner ici, je n'aurais pas voulu faire le film. J'ai rencontré Claude au printemps et en fait, je l'avais rencontré pour faire une entrevue avec lui à Nous TV dans le cadre de l'émission L'Agenda. Puis finalement, à force de parler ensemble, il m'a dit « Ben non, je veux t'engager sur l'équipe de production pour le film Les Vieux Chums qui est tourné ici à Saint-Hyacinthe. » Puis mon mandat finalement, c'était de booker les lieux de tournage parce que vu que je suis quelqu'un de la ville, de la région, bien, je connais bien le centre-ville, je connais bien la région de Saint-Hyacinthe. Donc, bon, on porte plusieurs chapeaux, hein, l'équipe, on est vraiment une petite équipe. Donc, je m'occupe principalement des lieux de tournage, mais en même temps, je donne un coup de main à l'équipe de production. On s'occupe des comédiens, on s'occupe là, à s'assurer que personne ne manque rien sur le plateau de tournage. Donc, on est là à s'occuper de plein de choses pendant le tournage. En fait, je fais le fils de Pierrot, qui est joué par Patrick Labbé. Mon personnage, je pense, ça fait un petit bout qu'il n'a pas vu son père. Et puis là, on essaie de recréer les liens depuis son retour au Québec. Fait que c'est ça un peu la relation qu'on a dans le film. Ça va être ça qui va être intéressant, de voir la relation entre deux personnes, deux familles, un père et un fils, qui ne se sont pas vus depuis un bout. Puis... À Saint-Hyacinthe, on a 13 jours de tournage et on a un autre 5 jours de tournage au Maroc. Au Maroc, c'est 5 jours parce qu'on a une séquence, on est en mer avec des embarcations, donc ça nous prend une journée d'extra. Dans les fêtes, c'est moins long que ça, là. On n'a pas beaucoup de scènes au Maroc, mais on en a qui sont complexes un peu. Un plateau de long métrage, oui. C'est ma première expérience, ouais. C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment une expérience. Là, je sais que je suis extrêmement chanceuse de faire partie de l'équipe. C'est incroyable, ça va vite, tout va vite. C'est une expérience de fou, on serre les coudes, on travaille des 10, 12, 13 heures par jour. On court beaucoup, je pense que c'est une expérience folle, mais vraiment le fun. Yeah.
L'histoire, c'est l'histoire de deux chums qui ne sont pas vus depuis une vingtaine d'années, qui se retrouvent. Il y en a un qui est en fin de vie, mais qui est très serein, mais qui a envie d'être avec son chum, qui a envie de lui léguer quelque chose, puis de léguer quelque chose à son fils, aux gens qu'il a aimés. Son monde à lui, son univers, c'était Saint-Hyacinthe, donc il revient voir les gens qui étaient dans sa vie. Puis essaye de leur laisser quelque chose, une espèce de sérénité, en fait. Ouais. Beaucoup plus facile que d'aller jusqu'à la salle à chaque matin pour tourner, mettons, sur des textos ou aller à Boisnois pour mes petits malheurs. Saint-Hyacinthe, c'est sûr que c'est plus le fun aussi parce que, justement, j'ai grandi ici, fait que c'est quand même le fun de tourner dans un environnement qui est familier. Puis c'est ça, c'est beaucoup moins de kilométrage. Hier, justement, il a fallu que j'arrête le trafic. Donc, j'étais habillée avec un dossard jaune en plein milieu de la rue à faire des arrêts, puis j'arrêtais les autos. J'ai dit, excusez, on est en tournage. C'est comme pas mal plus une anecdote plus personnelle, mais ouais, j'ai dû faire la signalisation une couple de fois pendant le tournage. Qu'est-ce qui est important pour toi, Didier, dans le plan large? Déshabiller, je veux dire. Il est bien pratique, cet abonnement. C'est un rouleau son. Oups. Attention, on va tourner. OK, silence, s'il vous plaît, tout le monde en place. Bon. Moteur! Ça roule toujours. Et... 4. Et... action! On est une équipe vraiment minuscule. On est plus une équipe documentaire, si on veut, qu'une équipe, comme on est habitué en temps normal, en long métrage, on a un tout petit budget, donc il fallait, où on faisait le film, où on ne le faisait pas. Si on le faisait, il fallait le faire avec des conditions particulières. Mais moi, je connaissais la ville, je connaissais mes places, je savais qu'on pouvait se déplacer assez facilement. Alors, j'ai choisi mes locations en fonction de ça, de façon à avoir beaucoup de souplesse dans le mouvement pour être sûr qu'on était capable de se déplacer et de tout faire. Bien, pour moi, c'est sûr que c'est plus facile peut-être d'être en avant de la caméra et faire des entrevues. Mais c'est tellement un autre monde, c'est tellement d'apprendre à travailler en équipe, d'apprendre à rien oublier. Le sens du timing est tellement, tellement important. Et il n'y a pas de place à l'erreur. Tout le monde court, tout le monde va vite. Mais c'est un nouvel apprentissage, c'est une nouvelle expérience. J'avais joué dans Qu'est-ce qu'on fait ici, un long métrage de Julie Yvon, peut-être en 2013. J'avais un deuxième rôle, fait que c'était bien, c'était le fun, mais tu sais, là, ça va être vraiment un premier rôle, fait que c'est un nouveau challenge, puis je suis vraiment excité de relever ça. Là, tu sais, j'ai juste tourné une scène pour le moment, puis je trippe déjà. Fait que...
sûr que nous autres, on vise toujours un festival. Quand on a une production de film, festival international, pour nous autres, c'est important, c'est même crucial. Bon, mais on ne sait jamais si on va être accepté, on ne sait jamais c'est quoi la qualité du film. Mais on vise Berlin, parce que moi, je suis allé déjà 4 fois au Festival de Berlin, qui est un des plus gros festivals au monde. Alors, Berlin, pour moi, c'est notre objectif. C'est au mois de février, Berlin. Puis ensuite, sortie en salle. Si Berlin, ça ne fonctionne pas, ben non, il va falloir retarder. Il y a d'autres festivals après, Venise, Toronto. Ça pourrait nous mener jusqu'après septembre l'an prochain. TV, fier de faire rayonner notre communauté.